très fiers aujourd'hui de célébrer notre partenariat à Fonds Impact avec ONU-SIDA Maroc. Ce partenariat est innovant parce qu'en premier, nous avons donné l'opportunité à plus de 120 jeunes de suivre une formation axée sur la prévention des maladies transmissibles en utilisant le sport comme vecteur, mais aussi sur la violence basée sur le genre. Et cette formation s'est déroulée à Casablanca, à Tanger, à Essaouira et à Taloudant, au profit de jeunes éducatrices et éducateurs qui sont dans nos écoles des métiers du sport et école de la seconde chance. Et par la suite, ces éducateurs sont partis dans les quartiers populaires, sont partis dans les écoles, dans les centres sportifs et communautaires pour promouvoir tout ce qu'ils ont appris au profit des jeunes adolescents et des jeunes filles. Comment le sport peut être un vecteur qui permet aux jeunes et aux jeunes adolescents de comprendre les effets négatifs des maladies transmissibles, mais aussi comment se protéger, et aussi le sport comme un vecteur de prévention. Donc aujourd'hui, on célèbre ce partenariat avec ONU-SIDA Maroc à l'occasion du premier jour des 16 jours d'activisme qui sont célébrés par les Nations Unies et aussi l'ensemble des organisations mondiales. Et la violence basée sur le genre est un sujet aussi majeur qu'on traite au niveau de ce partenariat et qui nous permet de toucher le maximum d'acteurs possibles, l'école, les directeurs d'école, les enseignants, mais aussi les associations de la société civile et les éducateurs et les éducatrices qui vont aller demain sur le terrain et préparer la future génération de 2030. Nous sommes fiers de participer à cet événement qui clôture notre projet de collaboration avec Tibu Maroc, dans le cadre d'un programme d'intégration des composantes prévention et lutte contre la stigmatisation, la discrimination et la violence basée sur le genre, dans les programmes de Tibu qui fait la promotion des jeunes à travers le sport. Et pour nous, c'est une innovation qui permet de toucher des jeunes généralement difficilement atteignables par des programmes classiques. Et notre but, bien sûr, c'est de sensibiliser sur le VIH-SIDA, sur la maladie transmissible et sur la violence faite basée sur le genre et aussi les questions de droits de l'homme. C'est une première étape. Nous souhaitons, bien sûr, élargir ce programme à partir de 2025, Inch'Allah, en mobilisant plus de moyens pour renforcer ces programmes de prévention dans les activités de Tibu à travers, au niveau de plusieurs villes de Maroc. L'activité que nous avons menée a touché Taloudant, Souira, Casablanca et Tanger. Et nous projetons, Inch'Allah, d'élargir ce programme à d'autres villes de Maroc pour sensibiliser plus de jeunes, sachant que Tibu touche à peu près 300 000 jeunes au niveau national.